Didier pour le beau de Sébastien. Et donc voilà, à l'effet de la, aux enfants de favela. Oui, les gars, la santé la bienvenue, plus de promesses tenues. Welcome, les gars, les Brésiliens. On va essayer de parler d'humanité, hein, parce que c'est l'idée d'un concert, d'un moment de partage, d'échange avec des gens qui ont envie de passer un bon moment, nous aussi. Après, on a des outils, ça s'appelle des chansons, qui nous permettent de transporter nos énergies. Et en donnant du sens à la fête, on arrive à imaginer et à rêver aussi d'un monde meilleur. Donc on va s'autoriser à rêver d'un monde meilleur, même s'il nous semble s'éloigner. On a encore le droit de rêver, parce qu'évidemment on n'a pas les solutions à ces problèmes-là, mais par contre on propose de l'imagination un petit peu pour savoir comment les choses seraient possibles. À propos des migrants aujourd'hui, et beaucoup de nos chansons parlent de ces gens qui quittent leur pays pour trouver le bonheur ailleurs. Et justement, on parlait avec quelqu'un ce matin qui nous disait avec l'histoire des migrants syriens ou irakiens, on oublie tous les autres. Et que par exemple au Maghreb, notamment au Maroc, il y a tous les subsahariens. Donc qui partent aussi et qui veulent. Donc c'est l'occasion pour nous de dire voilà, les migrants, il y en a partout. Et que il faut interpeller les gens qui ont du pouvoir, les États, dire un peu plus de solidarité. En fait, parce que les gens oublient qu'on a démarré très tôt et qu'on a été longtemps sur les routes. Et comme tous les groupes, on éprouve le besoin de vivre d'autres aventures. Donc c'est en fait quelque chose d'assez banal. Il y a un moment où il y a besoin d'un break, de faire une pause, de voir individuellement d'autres choses.